fill our hearts with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Les psaumes chapitre 133. La Bible dit ceci. Voici, au qui est agréable et qui est doux et des fraîches dans le réussant. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici qu'il est doux. Non, il crie, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé de l'onction. Et ce soir, qui était là la semaine dernière? Parmi ceux qui étaient là la semaine dernière, il y a peut-être 5, 6. Bon, la boîte était là, mais c'est bon, comme j'étais là, c'est bon. Parce que moi, comme je prends mon temps. Vous faites préparer des enseignements. Sachez que le dernier jour de ma main d'intervention, ce mois-ci, je prends un temps pour vous interroger sur ce que vous avez compris. Amen. Amen. Vous allez m'enseigner, vous, à votre tour aussi. La Bible dit, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ce soir, j'aimerais parler, le Saint-Esprit aimerait nous parler d'une onction qui réside dans l'Assemblée. Oh, ce soir, Dieu nous interpelle sur une onction qui réside lorsque les frères demeurent ensemble. Vous savez, il y a des personnes qui aiment dire, oui, moi, à cause d'une situation ou d'une autre, je préfère prier à la maison. C'est bien, frère. Gloire à Dieu. Si tu arrives à être discipliné dans la prière à la maison, je bénis le Seigneur pour cela, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il y a une onction particulière sur l'assemblée qui n'existe pas quand on est seul à la maison. C'est vrai, la Bible nous dit, quand vous êtes chez vous, rentrez dans le secret de la chambre, fermez la porte. Et là, il y a un tête-à-tête avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment. Mais ce soir, le Seigneur nous interpelle sur l'onction qui réside lorsqu'on est ensemble. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il ne s'arrête pas là, il explique pourquoi. Il dit parce que lorsque vous êtes ensemble, lorsqu'on est ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui fait quoi? Qui est répandue sur la tête. Autrement dit, il y a une notion, une huile, un jour, quelque chose que Dieu dépose. Uniquement quand on est dans l'assemblée. Je vais aller plus loin. Il y a quelque chose que Dieu dépose quand on est dans un service. Je vais l'expliquer. Quand le Seigneur dit, il y a quelque chose qui dépose quand les frères sont ensemble, c'est relatif à l'assemblée. Mais la chose qui est déposée commence par la tête. C'est-à-dire que commence par le leader. Et cette chose se répand afin de toucher ceux qui sont là. Quand on est dans un service, la chose que Dieu dépose commence par la tête, commence par le responsable. Et souvent l'apôtre m'a interpellé sur le fait du discipulat. Il faut avoir des disciples. Ce n'est pas normal pour un responsable de ne pas en avoir. Vous savez, un disciple, c'est celui qui a reçu l'onction qui coule de toi. C'est celui qui dit quelque chose, il
le faire. Pas parce que j'ai envie, pas parce que j'ai le temps, mais parce que tu me demandes de le faire. J'interpelle ici les responsables. Moi-même, hein, je m'interpelle. Je vous interpelle. Si vous n'avez pas dans votre groupe, dans votre service, quelqu'un sur qui vous pouvez, à qui vous pouvez dire, bon, aujourd'hui, tu vas aller à tel endroit, tu vas me prendre ci, ou tu vas en jeûner pendant 2 jours, pendant 3 jours. Et cette personne le fait, il y a un problème. Il faut chercher cette mission. Qui fait que quand vous êtes au milieu de l'assemblée, on écoute le leader. Papa, quand maman me racontait, quand on me critiquait, quand on m'a se mal désolé, ben voilà. Maman, quand j'ai dit des choses ici, tu vas lire des c'est pour ça que je ne vais pas t'aider les choses. Mais pour me dire, je suis en côté de cet homme parce que je sais ce que je tire de lui. Oui, il y a quelque chose que nous tirons de la tête. La Bible dit, l'huile commence par la tête. Parce que vous pouvez répondre l'huile, et puis bon, on jette l'huile, et puis l'huile, vas-y, allez, je jette au ventre. Nous qui sommes des femmes, on a tous les mots de ventre. Allez, on jette l'huile au ventre, et puis le ventre, c'est le corps, c'est le sang des entrailles, c'est le sang de la naissance. Et puis on s'arrête là. Mais le Seigneur dit, il commence par la tête. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu commences par la tête? Pourquoi cette huile se répand d'abord par la tête? Et je regardais, quand on parle de la tête, on parle du cerveau. Pendant que je faisais mes recherches, j'ai écouté ce que j'ai pu récolter comme information concernant le cerveau. J'ai lu que le cerveau, c'est le siège de nos sentiments. C'est le siège de nos réflexions, de notre identité. Le cerveau, c'est le quartier général du système nerveux. Plus de 10 milliards de cellules transmettent et reçoivent des informations de différentes parties de l'organisme. Quand quelqu'un a le cerveau touché, quand quelqu'un a la tête touchée, vous allez le constater. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous appréhendons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, passe, on communique au cerveau tout de suite. Le cerveau reçoit l'information et renvoie une information. Le cerveau reçoit l'information, j'ai touché ça. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est humide? Est-ce que est-ce que ça se plie? Est-ce que ça... Donc, dès que je touche, les centres nerveux qui sont autour de mes doigts transmettent l'information au cerveau. Le cerveau renvoie une information en disant, ce que tu viens de toucher, c'est du verre. Vous allez voir que même les aveugles, même s'ils ne voient pas, parce que leur cerveau fonctionne, ils vont toucher, ils vont dire, là, c'est une femme. Tu vois, mais... comment ils savent que c'est une femme? La dernière fois que j'ai écouté les informations, il y a une femme qui était aveugle, elle était avec son chien, je crois qu'elle avait retiré de l'argent, ou elle se baladait, on l'a agressée. Et l'homme lui a pointé une arme. Elle a dit, j'ai touché, je sentis que l'homme était froid, je sentis que l'objet était froid, je sais que c'est une arme. Elle était aveugle. Bon, entre parenthèses, il est quand même méchant. Il a mis 2 mois, 2 000 euros. Ouais, je n'ai pas 2 000 euros. Il a commencé à menacer son chien. Sinon, je tue ton chien. Ouais, elle m'en prend 800 euros. C'est tout ce que je peux retirer. Une aveugle. Bon, il y a des gens vraiment. Mais ce que je veux dire, c'est que elle a touché quelque chose. L'information est montée jusqu'au cerveau. Le cerveau a envoyé l'information et lui a dit, c'est une arme. Et à cause de cela, elle obéit à ce qu'on lui demandait de faire, bien qu'elle ne voulait pas le faire. L'huile est obligée de passer par la tête parce qu'il faut un renouvellement de notre conscience. La Bible dit, hein, c'est une huile précieuse. Lorsqu'on regarde dans la Bible, l'huile d'onction était préparée de manière particulière. Aujourd'hui, on prend de l'huile d'olive, on dit que c'est l'huile d'onction parce qu'on prie de son béni, et puis on... Mais quand on regarde la préparation dans l'Ancien Testament, il y avait des aromates qui étaient mis, il y avait des choses qu'on préparait pour que ce soit l'huile qui servait à l'onction des sacrificateurs. Le Seigneur a besoin que cette huile vienne sur nos têtes parce qu'il a besoin que nos mentalités changent. J'ai souvent prêché sur les mentalités parce que je crois que c'est la base de comment, vous savez,
comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de notre identité. C'est dans nos cerveaux. Nous avons l'identité. Je suis gabonaise de la région de Libreville, du groupe ethnique Nyéné, de Machin. Je vais rester sur cette identité et je vais me rapporter à cette identité. Ce que je vais faire va être lié à cette identité-là. Mais si l'huile coule sur ma tête, vient changer mon mode de fonctionnement. Je ne vais plus seulement avoir cette identité de gabonaise liée à un groupe ethnique. Je vais avoir l'identité de fille du royaume. L'huile, quand elle vient, elle se répand dans nos narines, elle se répand dans nos oreilles, elle va jusqu'au cerveau. Parce que vous savez, quand le but de l'ennemi, quand il vient, c'est de pondre dans nos têtes des choses. On va commencer. C'est pour ça que au-delà de la tête du cerveau, on parle de la tête du leader. Si on n'est pas, j'allais dire conforme, mais ce n'est pas le terme approprié, mais si on n'est pas soumis au leader, si on n'est pas dans la vision du leader, vous allez voir qu'on ne va pas marcher de manière correcte. Vous savez, le problème des fous, c'est que leur cerveau touche. Les informations qu'ils reçoivent, les informations que le cerveau reçoit et que le cerveau transmet, il y a un problème. Alors qu'il est venu, lui, va penser qu'il est habillé. Parce qu'il se voit, on est habillé, mais quand tu es là, quand tu sens que, parce qu'on voit souvent des filles qui sont, on dit, mais attends, il y a le vent, tu sens que même si tu t'es oublié comment, ma jupe est courte, mais il y a le vent, quand le vent passe, tu sens que, ah, c'est bizarre, le vent qui, tu sens qu'il y a un problème. Mais le fou, il ne sent même plus le vent, il est venu, mais il ne sent pas qu'il y a le vent qui traverse son corps de part et d'autre. Lui, il pense qu'il a des vêtements. Parce que les informations qu'il monte et qu'il reçoit sont totalement chamboulées. Et c'est là que l'ennemi va opérer. Il va nous transmettre des informations qui vont être fausses. Vous allez voir, je lisais un passage où il dit, il est impossible que le scandale n'arrive pas, mais malheur à celui par qui cela arrive. C'est impossible que dans l'église il n'y ait pas de scandale. C'est impossible, c'est Jésus. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. C'est impossible d'empêcher le scandale. Maintenant, le problème, c'est que tu ne sois pas l'objet du scandale. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que souvent, l'ennemi va mettre dans nos têtes des idées totalement erronées. Là, par exemple, non, mais quand tu laisses le prophète de l'ennemi prêcher là, laisse-lui, il s'appelle sa vie de l'été. Quand il va venir, ils vont parler du village, il va parler. Donc, toi, c'est ce que l'ennemi sait pour nous. Ce sont les gens qui pensent. Pardon, dans notre cerveau, et chaque fois que nous allons voir le prophète venir, on va, avant même qu'il ait commencé à dire Amen, tu as déjà, l'ennemi est en train déjà de se faire, non, il va encore venir parler de l'été, il va parler du village, il va parler de la sorcellerie, va. Donc toi tu t'es focalisé sur ça, et tu ne vas pas recevoir l'information avec ça, parce qu'elle est perturbée par les œufs que l'ennemi a pondu, dans nos têtes. Le Seigneur de Dieu doit commencer par la tête. Doit commencer par changer cette façon que nous avons de voir. Mais cela n'est possible que quand on est ensemble. Cette façon de faire, et c'est pour cela qu'il est spécialiste de l'isolement. Je vous assure, les personnes qui aiment être seules là, faites attention. Poursuivez-les. Parce que ça veut dire que l'ennemi commence à te retirer. Même quand on voit les chasseurs, hein, dans le monde animalier, la lionne, une grande chasseuse, c'est elle qui nourrit le troupeau, la communauté. Elle est forte, elle est rapide, elle est puissante, mais elle ne s'attaquera qu'à celui qui est isolé du troupeau. Si vous êtes plusieurs, elle ne va jamais venir avec toute sa force, toute sa puissance, toute son agilité, tout ce qu'elle possède comme expérience de la chasse. Si vous êtes plusieurs, elle ne viendra jamais. Mais dès qu'elle va voir un petit qui s'est isolé du groupe, elle va se demander à ses amis. Yam, yam, yam. Et c'est ce que l'ennemi a fait. Il va commencer à prendre des œufs dans nos têtes qui vont faire comme. Il va te dire, mais réfléchis bien. Toi-même, regarde bien. Depuis que tu es à l'église, tu n'as même pas avancé. Tes problèmes se sont multipliés par trois.
déposer un sujet là, au pied des serviteurs. Depuis que les gens ont commencé à prier, jeûner, ils t'ont même introduit dans les jeûnes d'une semaine, le problème n'est toujours pas résolu. Qu'est-ce que tu fais là? Donc, il va venir de manière isolée. Il va venir pondre les œufs dans la tête de manière à retrancher du groupe. Il va venir te montrer que non, mais là tu es offusqué, tu dis, regarde, on ne te considère pas. Tu viens, on ne t'appelle pas. Tu ne viens pas, on ne t'appelle pas. C'est comme si tu n'existais pas dans l'église. Pourtant, tu as dit, tu payes. Pourtant, quand il y a les offrandes, tu payes. Quand il y a les cotisations, tu donnes. Quand il y a quelque chose, tu interviens, tu te manifestes, tu es toujours disponible pour le faire. Mais qui t'a même déjà mis un jour, ah, à cause de ce que tu fais, tiens même son nom. Le diable va venir mettre de telles pensées. C'est pour ça que le Seigneur dit, il faut que ça commence par la tête. Il faut qu'il y ait, dans Romains 12, écoutez ce que la Bible dit. Romains 12. Romains 12, et nous l'avons lu hier à la cellule. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le Saint-Esprit dit, il y a une onction qui se trouve dans l'assemblée, qui fait que votre mentalité change. Une onction qui est communiquée par le leader. Vous allez voir, moi je dis toujours, avant que je ne vienne à CNN, pour moi, tout était ou blanc ou noir. Il n'y avait pas gris, rose, fuchsia, rose, non. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Si je vois quelqu'un qui est en train de pécher, je dis qu'il n'est pas chrétien. Si je vois quelqu'un qui est dans la faiblesse, je dis tout de suite qu'il est païen. Mais non! Non! Et puis, dans Christ, la lumière du monde, on a appris qu'il peut être chrétien, il peut être dans un moment de faiblesse. Tu veux le voir, mais ça ne veut pas dire que tu vas le condamner. Ça ne veut pas dire que tu vas le juger. Ça ne veut pas dire que tu vas t'en détourner comme. Ça, un serviteur, non, arrêtez sa bosse, arrêtez vos blagues. Non, non. Mais moi, j'étais parce que j'avais cette mentalité que j'avais reçue de l'église où j'étais. Parce que pour nous, quand Dieu allait venir, il n'y avait pas une autre église qui allait prendre, sinon l'église où on était. Ça veut dire que les autres églises, certaines, ils allaient rester. La seule église, la plus grande. Donc pas la Bible, une église sans tâche, qui rit, rien de semblable, qui doit s'éteindre. En plus, après, j'ai appris qu'il y a beaucoup de rites même là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, nous, on inculquait ça. La dernière fois, je discutais avec Montana et Kéti, je disais, pour chaque leader, il y a un appel particulier. Pour chaque musique, pour chaque église, il y a un appel lié, il y a une vision liée à l'appel reçu du leader. Donc, quand on est dans l'assemblée, on est façonné par l'appel du leader. On est façonné par la façon de faire du leader. C'est pour ça que Dieu dit, il va d'abord déposer l'huile sur la tête. D'abord sur la tête. Afin que le reste du corps puisse en être imprégné. D'abord sur la tête. Afin que dans nos mentalités, dans notre façon de voir, nous puissions changer. D'abord dans la tête. Je vous assure, en ce moment, je suis en train d'être révolutionné dans ma manière de servir le Seigneur. Je me dis, il y a beaucoup de choses qu'on fait. On est dans un certain confort et puis on ne peut pas sortir de notre ligne de confort. Je suis habitué à venir le mercredi. Bon, si je viens le mercredi, même si je n'aime pas vendredi, ça fait quoi? Parce que samedi, je vais venir. Bon, même si je ne viens pas samedi, je suis venu mercredi, je vais venir dimanche. Bon, sûr, hein, une semaine, ça fait deux jours, je viens, c'est pas grave. Non! La mentalité que Dieu veut pour nous, c'est que quand on dit réunion mercredi, tu sois présent. Réunion vendredi, tu sois là. Samedi, tu es là. Mais il n'y a pas de réunion. Tu commences à dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire le samedi? Et le dimanche, tu es présent. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin que dont tout notre être. Vous savez, il y a ce verset qui dit que nous devons rendre un culte à faire, offrir notre corps, hein, offrir nos corps en
confirme. J'arrive à... Quelqu'un peut m'aider sur ce passage? Un culte agréable. Devoir offrir, je crois c'est dans vos mains, offrir notre corps... En sacrifice. En sacrifice. C'est de notre part un culte raisonnable. Offrir notre corps en sacrifice. Ça veut dire que le sacrifice ne tient pas que sur lundi, ne tient pas sur vendredi, et puis on se dit, bon, moi, mardi, jeudi, non, ça, vraiment, je me réserve cette journée. Il n'y a pas de jeu de réserve. Il n'y a pas de jeu de réserve. Parce que tout ça, c'est pour Dieu. Dieu ne veut pas une partie, il veut le tout. Il ne veut pas que nous soyons dans la parcimonie. Bon, si mercredi, je suis là, c'est pas grave si je ne viens pas vendredi, même si, bon, d'accord, je vais faire l'effort, je vais venir mercredi, vendredi. Comment t'appeler? Oh, mais frère, tu n'es pas venu à la répétition. Non, mais parce que j'étais déjà à l'église mercredi et vendredi. Mais qu'est-ce que ça a fait? Aujourd'hui, c'est ça. Bon, tu n'es pas venu dimanche. Oui, non, mais parce que j'étais là mercredi, vendredi, j'étais même là samedi. Non, dimanche, je ne peux même pas venir. Non. Le Seigneur fait tout comme un sacrifice. Et c'est cette mentalité-là, c'est pour ça que lui, il doit commencer par la tête. C'est ça qui veut changer en nous. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, c'est justement de raisonner ainsi. C'est de se dire, bon, j'ai 7 jours dans la semaine. Je vais consacrer à Dieu 2 jours et demi. Donc, 2 jours et demi, ça coïncide avec la journée du mercredi, donc de l'enseignement. Un culte le matin, et c'est bon. Donc, j'ai fait mon quota. Ça, c'est la façon de raisonner du monde. Parce que dans le monde, on raisonne toujours en termes de quota, de quantité, de pourcentage, de bon, tu as investi deux, comment tu vas récolter 3, tu as ce. Ça, c'est la façon de raisonner du monde. Mais que dis-moi, je veux tout. Je ne veux pas que tu sois dans les calculs où tu me donnes un peu. Et c'est pour ça que l'huile commence à couler par la tête. Alléluia. Amen. Le psaume 133. Regardez ce qui est écrit à la fin. Il dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction que nous cherchons, la vie que nous cherchons, nous ne l'obtiendrons pas ailleurs si ce n'est dans l'assemblée. La résultante de l'onction qui est déversée dans l'assemblée. C'est pour ça que le Seigneur va dire, c'est pour ça que Paul va dire, n'abandonnez pas vos assemblées. Ça veut dire que nous ne devons pas être simplement, bon, moi je suis chrétien de CLM, mercredi il y a une réunion, mais j'ai entendu que Marcelo fait un séminaire le mercredi, donc je vais voir Marcelo, parce que Marcelo est plus connu. Non. L'assemblée où tu es, l'assemblée où tu évolues, avec une réunion, un programme, tu le sais, mercredi, avec un programme vendredi. Tu dois privilégier cela. Excusez-moi de vous offusquer, mais je me parle à moi-même, je me prêche à moi-même parce que je sais que je ne suis pas toujours fidèle. Donc ce n'est même pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Et il nous rappelle ce soir que l'onction qui découle de notre appartenance en réalité, il y a donc une onction qui est liée au fait que nous soyons membres, au fait que nous soyons, au fait que nous soyons, que nous appartenions à une assemblée. Il y a une onction qui est liée au fait qu'on appartienne à l'assemblée ICC. Il y a une onction qui est liée au fait qu'on appartienne à l'assemblée Christ, la lumière du monde. Donc, si nous faisons les choses en considérant que, bon, c'est vrai, moi j'appartiens à Christ, la lumière du monde, mais vendredi, j'ai un mariage samedi. Le vendredi, moi je dois faire les courses du mariage et je vais aller faire les courses vendredi. Ça veut dire, on est en train de bafouer la bénédiction qu'on doit recevoir. Alléluia. Ça veut dire qu'on est en train de bafouer la bénédiction ou la vie qu'on reçoit de cette. Alléluia.
bien sûr, vous ne prenez pas très bien avec, mais bien. Si vous m'entendez bien, il n'y a pas un écho. Moi, je vous dis. Ah, d'accord. Ok, ça veut dire qu'on bafoue la bénédiction que le Seigneur réserve, nous réserve, alors que nous devrions être à un endroit précis, à un moment donné précis. Il y a une réunion, par exemple, avec veillée de prière vendredi. Et puis moi, je dis non, je ne viens pas à cette veillée parce que j'ai entendu qu'il y avait une veillée à Montargis. Et c'est un homme de Dieu qui revient des États-Unis qui va être l'orateur pendant cette veillée. Donc je vais à la veillée de cet homme de Dieu. Négligeons ce qui se passe dans l'assemblée. Négligeons le programme de l'assemblée. Ça veut dire que je privilégie une autre assemblée. Je privilégie, je vous assure, vous ne va rien recevoir de cette manière. Vous en parlez. Vous allez voir que l'homme de Dieu qui est un grand prophète va commencer à prophétiser même sur. Il va prophétiser sur mon masque. Moi je serai au milieu. Il va prophétiser sur mon masque, sur le prophète, sur Maï. Il va faire moi qui est là. Il ne va pas me voir. Parce que je ne suis pas à l'endroit où il faut. Parce que je ne suis pas à l'endroit où je dois recevoir la bénédiction, la vie pour l'éternité. La Bible dit qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux, qu'il est agréable lorsqu'on est mercredi de demeurer dans la présence de Dieu mercredi ensemble. Qu'il est doux, qu'il est agréable de demeurer vendredi ensemble. Non seulement le Seigneur envoie quelque chose, mais il envoie même une réponse pour chacune de nos vies. Je vous assure en ce moment, je vais vous faire ce témoignage. J'ai fait une promesse à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, je suis rentré dans le système de ton Dieu. J'avais jamais fait ça de ma vie. Mais je suis rentré. Parce que j'avais un projet et je me suis dit, bah, tiens, je vais me faire la cantine. Et la première cantine que j'ai faite, j'ai reçu l'argent. Et en parlant des œufs, le diable me dit, pendant que je voulais payer la dîme par rapport à la cantine, il me dit, mais non, pourquoi tu veux payer la dîme? Puisque les cotisations que tu mettais, tu avais déjà enlevé la dîme du salaire. Donc en réalité, tu mettais quelque chose, mais tu avais déjà, c'était déjà exonéré de la dîme en réalité. Je fais mais où? Oh. Donc ça c'est un revenu que je reçois, mais je n'ai pas payé la dîme. Donc je ne peux plus payer encore. Donc quand j'ai compris ça, je n'ai même rien fait avec l'argent. Et puis un jour, maman m'a très bien prêché, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Elle vient me dire ici, il faut payer la dîme de tous les revenus. Ça, je me sens que dans mon esprit comme. J'ai de mon Dieu, c'est. Mais ça sonnait dans mon esprit, je ne pouvais pas savoir. Ça a été une fracture, et je comprends d'autant plus pourquoi le Seigneur dit il faut que lui passe d'abord par la tête. Ça, c'était comme une cassure, j'ai dit oh, c'est le nom que j'ai dévoilé. Satan m'a eu. Parce qu'il m'a convaincu et je l'ai cru. Pourtant, je suis capable de prêcher sur la dîme. Je crois que la dîme, c'est biblique. Je crois que Dieu bénit au travers de la dîme. Je le crois avec certitude. Mais pourtant, ce jour-là, à cause des œuvres que le diable avait pondu dans mon cerveau, j'ai dit non, je ne paie pas ma dîme par rapport à cette dîme. Et puis, on m'a rappelé, on m'a dit, ah, attention, on commande, est-ce que tu t'engages? J'ai dit, je vais m'engager. Ça va, quand tu m'as dit la première fois, tu vas voir ce que je vais te faire. Et puis, j'ai dit, d'accord, comme moi, je vais prendre ma part. Je ne vais pas toucher un euro, je vais tout donner à l'église. J'ai donné à l'église. Et je depuis là, le problème financier, je me suis dit, là, ça va me donner bien. Mais j'aurais pu être abattu. Parce que je n'ai jamais eu de problème financier autant que pendant cette période. Mais il y a une paix dans mon cœur, vous ne pouvez pas comprendre. Ça veut dire que parfois, même pour avoir un euro, je n'appuie pas d'abord, je cherche. Mais je vous assure que j'ai eu une paix et je suis convaincu que je reviendrai si témoigner de ce que le Seigneur m'a fait. Oh, je sais bien, sans moi j'attends ce matin, j'ai dit, mais calme-toi, tu es déjà vaincu, que je t'agis pour. Tu es déjà vaincu, tu es normalement, tu ne peux même pas bouger, mais bon, le bonhomme avec le serpent, même quand tu tiens sa tête, il bouge toujours la queue. C'est la queue que j'ai dit à ta main, je vais te couper ça bien. Continue, mais je reviendrai, je n'ai pas témoigné. Parce qu'il faut que ce soit pour ceux qui sont fidèles. Je
demander bien. Mais je vous assure, je suis sûr. Ben, quand je viendrai, non, le témoignage, ça dit quand je viendrai, je vais seulement poser ici les poissons, le jus, le coca. Vous allez comprendre vous-même. Si vous êtes là, vous allez comprendre. Quand je vais poser jus, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose ici. Mais tout ça, c'est parce que je vous assure qu'il y a une nuit qui est en train de couler dans mon cerveau en ce moment. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans ma manière de faire. Moi, j'étais quelqu'un, mon mari m'appelait mère fouettard. Ça veut dire que si j'ai vu que j'avais une faille, parce que je même si je ne te parle pas, tu sauras que ce que tu fais là, tu m'énerves. Mais le Seigneur m'a montré que ce n'est pas ça l'amour. Parce que combien de fois vous êtes en train d'être fidèle vis-à-vis de moi? Combien de fois vous péchez par rapport à moi? Et pourtant, chaque jour, je manifeste ma bonté. Chaque jour, mon amour se renouvelle. Ce n'est pas qu'il finit. Hein. Non, ça veut dire qu'on peut laisser l'amour tel qu'il est aujourd'hui. Il dit non, c'est bon, je vous ai déjà donné mon amour. Mais non, il le renouvelle. Et ses bontés, il les renouvelle chaque matin. Malgré qu'on a été infidèle hier, on a été infidèle le jour même. Et ça, c'est la nature de Dieu. Et pendant que je disais à mon mari, non, mais tel, quand il t'a trahi comme ça, faut seulement arrêter de traiter avec cette personne, faut arrêter ici, tu ne peux pas. Il m'a dit, ce n'est pas biblique, je ne sais pas, mais là, biblique de quoi? On n'a pas de sentiment à sentiment. Le mari a fait, il dit, ce n'est pas biblique. Je dis, oui, je comprends, mais quand même, l'homme aussi ne peut pas, il dit celui biblique. Et puis on s'arrête là. Est-ce que de devenir rancunier, c'est biblique? Est-ce que de se dire, bon, comme celui-là m'a fait ça aujourd'hui, moi demain je vais le faire deux fois parce que tu vas savoir de qui moi je suis, de quel moi je me chauffe d'abord, hein, de qui je suis la fille, de qui je suis, qui est mon père, quoi, et puis de quel des choses si je viens quatre. Bon, le cinquième, comme c'est bien l'esprit, on n'était pas cinq. Mais la Bible dit non, la vengeance ne t'appartient pas. Quel que soit le mal, quel que soit la douleur, quel que soit. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est l'huile précieuse qui coule sur la tête. Combien de fois je me suis dit, les annonces sont passées ici, c'est là que j'apprends mon mari voyage, c'est là que j'ai dit, ah! C'est vrai. Non, mais c'est encore plus vieux que j'ai dit, mais c'est l'église. Donc, il faut que j'arrête de venir, que j'arrête de prêcher, que j'arrête de servir, que j'arrête de. Mais ça, c'est la chair. Mais la Bible dit, espérons ce qu'on veut de toute espérance. Quand il fait, je dis, très bien, on va le donner parce qu'il a fait comme ça. Alléluia. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Quand les choses ne vont pas bien, tu dis, oh, merci Seigneur, parce que ça ne va pas bien. C'est cela que Dieu a pour nous. C'est cela, le renouvellement de l'intelligence. Et j'ai compris. J'ai compris que pour arriver à cela, il faut qu'une onction coule. Mais cette onction, on ne la recevra pas seule à la maison. Tu auras beau être seul, tu vas dire non pour moi. Écoutez, sœur Henriette, surtout les musiciens, les chants qui sont souvent des stars. Bon, sœur Henriette, en ce moment, je vais prendre du recul. Parce que mes situations à la maison, ça ne va pas, donc je vais prendre du recul. Ça, c'est charnel. C'est comme ça que le monde agit. Mais dans le renouvellement de l'intelligence, dans l'onction qui est déversée dans l'assemblée, Dieu va te dire, ça ne va pas très bien, ben lève-toi, écoute-moi. Ah, c'est bon. Mais je n'ai même pas de quoi manger. Je n'ai même pas de quoi me déplacer. Je n'ai même pas, parfois j'ai envie même de m'acheter, ne serait-ce qu'un chewing-gum pour avoir une haleine fraîche. Je n'ai même pas de quoi le faire. Et tu dis que je te loue. Le Seigneur est dit, tu loues de louer, là, maintenant. Tu ne vas pas bien. Très bien, arrête. Quoi, tu fais quoi? Non, je ne peux pas, Seigneur. Oui, tu ne vas pas. Non, mais parce que ça ne va pas, tu ne vas pas, mais ça ne va pas. Le Seigneur dit, non, c'est pas ce que j'attends de toi. La Bible dit que quand Bartimée l'a appelé, il dit, non, c'est la femme. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il a commencé à expliquer celui de la piscine, pardon, de l'Éthée. Non, c'est-à-dire que, en fait, je vais t'expliquer. Donc, depuis mon enfance, moi, je suis végétarien. Bon, bien, après, j'ai le médecin dont j'étais paralysé. Mais non, on m'a dit qu'il y avait une piscine tous les jours, depuis 38 ans, je me lève. Mais quand je demande aux gens, j'étais pour un corps à l'eau, enfin, Dieu dit, non, c'est pas ça. Parce
maison. Non, Dieu lui dit, c'est pas ça que je te demande. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur va dire, lève-toi. Oh, mais Seigneur, même toi, même. Dieu t'a dit, ça va être rendu. J'ai déjà expliqué toutes les situations. Ça va être rendu lorsque je cherche la guérison. Ça va être rendu lorsque je vois les personnes être guéries devant moi. Ça va être rendu lorsque j'ai cherché les stratégies, les moyens pour les saints. Je n'arrive toujours pas. Qu'est-ce que Dieu me dit, lève-toi? Le Seigneur qui me dit, lève-toi. Et pendant que nous sommes dans les, en train de combattre, non, il faut que je fasse les démarches. Parce que là, ça ne va pas. Il faut que je cherche. Dieu dit, oh, oh, loue-moi. Lève-toi et loue-moi. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Parce que nous, on nous a appris que quand ça ne va pas, on doit pleurer. On nous a appris que pour manifester la tristesse, il faut être. Oh, ça va, ma soeur. Non, bon, ça va, mais bien bon. L'ami que tu peux l'appeler bon. Non, mais Dieu va nous apprendre que même lorsque le sang ne va pas, on doit avoir la tête levée, on doit avoir le sourire, on doit être bien habillé, on doit être bien portant. Parce qu'on sait, il y a une espérance que même si aujourd'hui ça semble être flou, il y a un éclaircissement qui est en train de se porter à l'horizon. Alléluia. C'est pour cela que l'huile doit couler sur la tête. C'est pour cela que ça doit commencer par la tête. Parce qu'il y a trop de choses qui doivent être ôtées, enlevées. Quand l'huile précieuse descend, elle rentre par nos oreilles pour nettoyer ce que nous entendons. Quand quelqu'un vient te dire, il pense que j'ai trop, mais qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Oh, non, mais en fait, non. Je me souviens, je l'avais dit à une soeur, je lui ai dit, ah, mais ça, tu as mérité. Elle a commencé à m'expliquer qu'en fait, non, c'était pas ça. Moi, je crois que normalement, je ne sais pas, mais j'ai plus bon. Au contraire, je ne peux pas elle a même pensé que je croyais que c'était le plus grave. Elle a écrit, donc, oh purée, ne mange pas chez elle. J'ai dit, non, est-ce, non, c'est pas ça que je te disais. J'ai juste constaté, oui, je te trouve, non, bon, excuse-moi, c'était pas ça. Et c'est souvent ça. Donc, nous, on entend quelque chose. Frère Joël, pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui? Elle commence à me juger. Non. Non, je ne te juge pas. Et le Seigneur a besoin de nettoyer nos oreilles. Quand lui vient, elle rentre par les oreilles. Le Seigneur a besoin que ça rentre même par les yeux, que ça rentre par les narines, que ça rentre par la bouche. Parce que nos bouches, on doit les sanctifier. Parfois, je vais vraiment dire, bon, je vais aller lui parler, il me laisse. Non, mais là, il laisse. Parce qu'il sait que parfois, ma bouche, je dois plutôt m'aider de que. Oui, le Seigneur a besoin que cette huile coule. Mais elle ne coule pas n'importe comment. Elle ne coule pas n'importe où. Elle coule dans la sang. Je vous assure, je disais tout à l'heure, il y a un appel. Il y a une vision liée à un appel. Et chaque église naît en fonction d'un appel particulier. Tu vas aller à l'ICC par exemple. Ce que tu vas recevoir, c'est la parole de Dieu, mais qui sera dit d'une façon qui va influencer ta façon de faire. C'est pour ça que le Seigneur dit que cette huile ne coule qu'au milieu de l'assemblée, là où tu vas être influencé de la manière qu'il faut. Parce que si ton voix dans cette assemblée, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il faut que tu acquiers quelque chose que tu n'as pas encore ou que tu as besoin d'avoir en plus. Mais tu dois la posséder dans cette assemblée. Alléluia. Nous venons des assemblées différentes, d'horizons différents, d'assemblées différentes, d'horizons différents. Mais où nous avons été formatés, où on nous a appris. Par exemple, je sais que là où j'ai accepté le Seigneur, dans l'assemblée dans laquelle nous étions, on nous a appris que les femmes n'avaient pas le droit de prêcher, que les femmes n'avaient pas le droit de se maquiller, qu'elles n'avaient pas le droit de porter des pantalons, que. Mais moi j'ai vu qu'on pouvait servir le Seigneur en portant un pantalon, j'ai dit, oh, à tout ça existe. Et on peut être chrétien véritable avec un pantalon de femme. J'ai dit, ah quoi? La femme est maquillée, elle a le goût, elle est chrétienne à fond même. J'ai dit, oh. Parce que pour moi, si tu te vois en pantalon, tu me dis, oh, là, je dis, ah, vraiment, c'est plaisant. Elle n'est pas chrétienne, elle fait semblant. Tiens, elle est chrétienne, elle n'est pas chrétienne. Mais le Seigneur, au fur et à mesure que
j'ai fréquenté autre chose, que j'ai vu autre chose, que j'ai été dans l'autre assemblée, j'ai compris des choses. Et maintenant que je suis à CNM, je comprends autre chose. C'est pour ça qu'il est important de demeurer. C'est pour ça qu'il est important de s'attacher. C'est pour ça qu'il est important de s'investir. Parce que c'est dans l'investissement. Vous savez, quand je parle d'investissement, c'est que je vais être assidu aux réunions. Je vais être assidu à ce qui se fait. Même si je ne suis pas dans un service, quand on a besoin de quelqu'un pour la déco, je vais me présenter, je vais dire, je veux le faire. Et c'est comme ça que je vais me frotter à quelqu'un qui est là, qui va m'apprendre que ben, ma soeur, comment, tu sais, moi, j'ai vécu telle et telle chose, et voici comment le Seigneur m'en a tiré. Voici par où je suis passé, et comment le Seigneur m'a secouru. Et ça va faire que ma foi va grandir. Ça va faire que je vais grandir. Ça va faire que dans ma façon de parler, ça va changer. Dans ma manière de servir, ça va changer. Quand moi j'ai vu l'évangéliste de Bête servir le Seigneur, j'ai dit la finale, elle va me défier. C'est pas où je suis la femme de parce qu'il est en train de dépasser. Non, c'est ça, moi, je vous assure. On reçoit quelque chose d'autre. Comme la CNL. Quand vous allez aller dans une autre assemblée, vous verrez que, en gros, ça va, on prêche Jésus, on avance. Mais il y a une notion qui est liée au ministère. Il ne faut pas la négliger. Il y a une notion particulière liée au ministère. Maintenant, qu'on voyage, qu'on aille aux Antilles et à la CNL, alors qu'on aille dans une autre assemblée, c'est normal. Mais si tu es dans une assemblée où il y a CNL, tu dois retrouver cette notion qui est dégagée dans CNL. Tu ne vas pas la trouver ailleurs. Dans ma maladie, il y aura une autre notion. Dans je ne sais pas, mais il y aura une autre. Mais chaque assemblée est une notion que Dieu